Pierre Matisse était un marchand d'art, mais aussi un collectionneur et surtout un œil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait voir les artistes qui allaient être vraiment importants, les artistes qui allaient être fondateurs. À partir des années 30, il faut bien être conscient qu'il y avait une réelle montée des nationalismes et une réelle volonté de la part du gouvernement américain d'imposer un art américain. Donc lui a souhaité militer pour l'art européen. Et en même temps, ça a occasionné bien sûr des transferts, c'est-à-dire que tous ces artistes qu'il a exposés à New York, eh bien, ils ont eu un impact sur la jeune génération américaine.